Salut à toi, pensée du jour numéro 225. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une application que j'utilise depuis plusieurs mois et que j'aime beaucoup, qui s'appelle HRV 4 Training, 4 avec le numéro 4. C'est une application qui te permet de faire un suivi de ta fréquence cardiaque au repos et de ta variabilité cardiaque le matin au réveil. Donc j'ai commencé à utiliser cette application en septembre dernier, si je ne me trompe pas, et je l'ai utilisée quasiment tous les jours. Je pense que j'ai dû rater 5 ou 6 fois sur les... Ça fait quoi? 7, 8, 9 derniers mois, 8 derniers mois. Et je l'utilise. Et en gros, la manière dont ça fonctionne, donc c'est une application qui est payante. Okay, elle vaut 10 francs si je ne me trompe pas sur l'App Store. Je ne suis pas affilié avec l'application ou quoi que ce soit. Je ne génère pas de revenus. Comme ça, on joue carte sur table ici. J'ai reçu le fondateur Marco Altini sur le podcast. Donc, si tu veux aller voir notre conversation, je te conseille d'aller checker ce podcast. Mais autrement, voilà, je ne suis pas affilié avec cette marque ou cette application d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est une application qui coûte une dizaine de francs sur l'App Store. Et en gros, tu l'installes sur ton téléphone. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est utiliser directement la caméra pour prendre une mesure de variabilité cardiaque. Comment tu fais ça? Eh bien, tu vas simplement mettre ton doigt sur... ici, je le fais devant, mais tu le ferais derrière. Tu mets simplement ton doigt sur la caméra. Il y a le flash qui s'allume également. Et grâce au ralenti de la caméra qui est disponible notamment sur les iPhones et sur les autres téléphones Android également à l'heure actuelle, j'en suis sûr, eh ben, l'application peut voir et peut recenser tes battements. Et également les intervalles RR, donc c'est le temps entre chaque battement de cœur. À savoir que si ton cœur il bat, disons, à 60 battements par minute, il ne bat pas exactement toutes les secondes. Il y a une certaine variabilité entre chaque battement, d'accord? Et cette variabilité nous informe sur ton état autonome, ou l'état, pardon, de ton système nerveux autonome. D'accord? Donc, tu as déjà entendu parler des branches sympathiques et parasympathiques, qui en anglais, la branche sympathique est en général appelée fight or flight. Donc, c'est celle qui gère tout ce qui est du combat et de la fuite. Donc, c'est vraiment quand tu fais une grosse séance d'entraînement, quand tu lèves une grosse barre, quand tu es très énervé, quand tu cours très très vite, eh ben, c'est ce système-là qui va être entre guillemets dominant. Et après, le système parasympathique, en anglais, on appelle ça rest and digest, donc repos et digestion, et socialisation également, qui est un aspect important du système parasympathique humain notamment. En gros, c'est là où tu te calmes, c'est quand tu dors, c'est quand tu te reposes. C'est quand tu fais du travail de basse intensité également. On a une dominante parasympathique, notamment en zone 2. J'en parle depuis pas mal de temps maintenant. Et si tu veux savoir comment, eh ben, ils arrivent à déterminer que cette variabilité cardiaque, elle nous informe sur ton état autonome, eh ben, va lire les articles de Marco Altini sur Medium. Il a beaucoup d'articles à ce sujet, et notamment un sur. C'est un article en 5 parties qui décrit, c'est tout en anglais. Mais je te conseille d'aller lire, qui décrit en détail le fonctionnement de la variabilité cardiaque, les différentes manières de le mesurer, de l'interpréter, etc. Tout en détail. Et en gros, en utilisant des produits pharmaceutiques, ils arrivent à bloquer une branche ou l'autre du système nerveux autonome. Et au travers de ça, ils ont réussi à, entre guillemets, vérifier ce que ça veut dire de quantifier ces différents intervalles de temps et d'ensuite les interpréter avec différents indices. Okay? Donc, quand tu parles de variabilité cardiaque, il n'y a pas une seule manière de le mesurer, il y a plein de manières différentes. C'est tous ces indices. Il y a le RMSSD qui est un des plus connus, mais il y en a des dizaines d'autres également. Enfin bref, donc tu mets ton doigt sur la caméra pendant 1 minute, c'est une mesure d'une minute, tu fais ça au lever. Idéalement, tu fais ça dans les mêmes conditions tous les jours. Moi, je le fais une fois que je me lève, je vais aux toilettes, je me remets au lit, je prends mon téléphone, je mets mon doigt sur la caméra, je prends la mesure et ensuite je commence ma journée. Comme ça, je sais que tous les jours, je prends la mesure dans les mêmes conditions. C'est super important. Fais le pas une fois couché, une fois debout, une fois après avoir mangé, une fois après café, une fois avant café. Non, on veut contrôler l'environnement pour avoir des mesures qui soient comparables d'une fois à l'autre. Donc, pense à comment tu effectues ces mesures. Tu effectues cette mesure d'une minute et ça va te calculer ou te mesurer ta fréquence cardiaque au repos et également ta variabilité cardiaque. Maintenant, ce chiffre, ce score de variabilité cardiaque ne veut rien dire en lui-même. D'accord? Ce qui est important, et ça l'application, elle le fait de manière assez géniale, c'est que, en gros, c'est les tendances au cours du temps qui vont nous informer sur le changement ou l'évolution de ton état interne. Okay, au niveau récupération, au niveau restauration ou au niveau stress, tout simplement. Okay? Et donc cet équilibre entre ces deux branches du système nerveux autonome. Et donc ce que tu vas faire, c'est quantifier ton état de base. En plus de ça, tu vas
remplir un petit questionnaire qui prend une dizaine de secondes à remplir. C'est deux, trois barres où tu peux bouger le curseur à gauche ou à droite selon si c'est beaucoup, pas beaucoup, moins ou plus. Tu peux dire aussi quelle intensité d'entraînement tu as effectué hier, la qualité de ton sommeil, tes heures de sommeil. Encore une fois, ça va très vite, 10-15 secondes maximum. Donc, en gros, en 1 minute 30, grand max, tu as pris la mesure, tu as rempli le questionnaire, il te donne ensuite un score et il t'informe sur ton état du jour par rapport à ta norme. Et ta norme, elle ne s'établit pas juste en une journée, ça va prendre 2 semaines minimum pour qu'il te donne pas mal de données. Okay? Donc sur les 4 premiers jours, il me semble, il te donne rien. Après, il te donne quelques informations, mais à partir de 14 jours, il t'en donne encore plus. Et il me semble qu'après 4 mois, ils ouvrent encore un panel d'options avancées et de data avancées auxquelles tu n'avais pas accès avant, parce que, encore une fois, c'est les tendances sur le moyen et long terme qui nous informent sur ces différents changements d'état au niveau nerveux, au niveau récupération. Donc, t'attends pas à avoir un résultat ou des conseils de manière instantanée, ça va prendre plusieurs jours, ça va prendre même plusieurs semaines. Donc il faut se donner le temps de faire ces mesures correctement et de quantifier ton état sur la durée. Et donc c'est une application que j'utilise depuis septembre et je trouve super intéressant parce que en plus de mon ressenti à moi, ça me donne une mesure interne de ce qui se passe au niveau de mon système nerveux autonome. Et ça me permet de voir l'effet de certaines choses dans mon environnement ou dans mon comportement, ou les deux. Notamment, une des choses qui est ressortie, c'est pour moi, et maintenant j'essaie de prêter énormément d'attention à ce paramètre-là dans ma vie, beaucoup, beaucoup plus qu'avant, c'est le sommeil. C'est l'importance et l'impact du sommeil sur ton état de récupération et bien ton état de récupération qui ensuite influencera tes performances, si pas directement, indirectement, par la façon dont tu t'adaptes aux différents entraînements que tu effectues. Donc, sommeil super important pour la récupération, super important pour potentialiser, si on veut parler comme ça, tes entraînements et faire en sorte que tu vois du progrès sur le moyen et long terme. Donc le sommeil, il est super important. Une des choses qui me ruine le sommeil, c'est l'alcool. Donc si je bois proche du coucher, eh ben, que ce soit un petit peu ou beaucoup, mais bien sûr si je bois un petit peu trop, et pour moi la barre, elle se trouve certainement entre 2 et 4 bières. Quelque part entre les deux, si je vais au-delà, eh ben, je sais que le lendemain, je vais avoir des valeurs déjà de fréquence cardiaque qui sont incroyablement hautes. À l'heure actuelle, j'ai une fréquence cardiaque au repos qui est en moyenne à 44-45, je dirais. Et je vois fréquemment, après avoir bu, et surtout si j'ai pas dormi avec ça ou pas beaucoup dormi, je vois fréquemment des fréquences cardiaques qui sont jusqu'à 20 battements au-dessus de mes valeurs de base, ce qui est énorme, ce qui est beaucoup trop. Mais donc ça montre vraiment l'impact de l'alcool sur le système et sur l'organisme et sur notre récupération également, d'accord? Et donc moi, c'est vraiment une chose qui m'a aidé à prêter plus d'attention à mon sommeil, 2, prêter plus d'attention à ce que je bois et ce que je mange avant d'aller me coucher, surtout le soir, je dirais après 18h. Après 18h, tout ce que je mange et tout ce que je bois, ça va avoir une influence plus ou moins grande. Certaines choses que je mange aussi, s'il y a des choses auxquelles je suis un petit peu sensible, comme par exemple le blé, si je mange une grande baguette de pain pour le souper, eh ben je sais que je vais pas me sentir au top le lendemain matin et mes valeurs de variabilité cardiaque vont certainement l'illustrer également. Des petites choses comme ça. Mais donc je pense que pour moi, avant tout, c'est un outil qui est super intéressant parce qu'il te permet d'avoir un retour quantifiable de ce que tu ressens au niveau perception. D'accord? On a notre perception, comment tu te sens le matin en te levant, mais c'est chouette aussi d'avoir une mesure interne, physiologique, qui t'informe sur vraiment ce qui se passe. Et au fil du temps, c'est vraiment un processus d'apprentissage à mon avis, mais qui est super intéressant autant pour toi que pour tes coachs, que pour tes athlètes. C'est de développer cette conscience de « Ah, je sens que je me sens bien ». Donc, je vais pouvoir aller pousser, ou je sens que non, je me sens vraiment pas bien, j'ai mal récupéré, j'ai une grosse semaine, j'ai trop de stress, j'ai pas assez de sommeil, j'ai trop bu, etc., etc. Et ben, tu sais qu'il faut peut-être tirer un petit peu sur les rênes, et peut-être cette grosse séance que tu devais faire aujourd'hui, ben, tu peux la faire demain une fois que tu auras mieux dormi, mieux récupéré, et tu en retireras certainement beaucoup plus. Donc voilà, je te conseille d'aller checker cette application, elle est super intéressante, super pratique à utiliser, super pertinente à mon avis pour les gens qui s'entraînent. Et ou pour les gens qui souhaitent être un petit peu plus conscients par rapport à leur santé. Donc n'attends pas, check aussi le podcast avec Marco, bien sûr, comme je l'ai mentionné. Un petit like sur cette vidéo si tu l'as apprécié. Un commentaire, comme d'habitude, si tu as des choses à dire. Et abonne-toi parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. À bientôt pour la prochaine.